dur être un adulte, les amis, c'est trop dur être un adulte. Là, moi, ça y est, je le sais, je suis un adulte, je le sais. Tu sais comment je sais? C'est en ce moment, quand je marche dans la rue, je regarde plus les appartements que les femmes. C'est avant, je regardais les femmes, elles sont belles ou pas, aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Je marche dans la rue, je suis en mode, putain, il doit avoir une luminosité. Cuisine américaine, c'est sûr, je la vois d'ici. Les trucs d'adulte, je le vois à mes peurs aussi, là, ça y est, j'ai des peurs d'adulte. Ça veut dire, j'ai peur de trucs qui existent. Et qui sont très susceptibles de m'arriver. Quand t'es enfant, t'as peur, mais souvent, c'est de l'ordre de l'imaginaire, donc c'est gérable. Il y a des gens, ils ont des peurs d'enfants toute leur vie. Il y a des gens, ils sont là, j'ai peur des requins. Tu vis à Chamonix, Julie. On va rester groupés, ça va bien se passer. On s'appelle toutes les heures, normalement, t'es en sécurité. L'administration, c'est là que tu vois que t'es un adulte. L'administration. Il y a des gens ici comme moi qui ont la phobie administrative, il y en a ? Il y en a ? Alors, je me suis beaucoup renseigné, il paraît qu'on est juste des grosses merdes. Mais on est ensemble ! Ça fait plaisir. Moi, j'ai pas cette intelligence, je l'ai pas. Regarde, la dernière fois, je dois payer une amende. Je vais au truc des amendes. Voilà, moi, j'aime pas les trucs en ligne, j'aime parler avec des humains. Je vais au truc des amendes, je leur dis, bon, vous avez décidé que je vous devais de l'oseille. Vous êtes plus forts et plus nombreux que moi. Je me rends. Envoie la machine à carte bleue, je te sens contact, on se voit plus jamais de nos vies. Là, le monsieur, il me dit, non. Il me dit, faut qu'on vous envoie un papier. Chez vous. Vous revenez avec le papier. Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Depuis quand on envoie du courrier à des gens qui sont là? Le courrier, ça a été inventé pour dire un truc aux gens qui sont pas là. Si tout le monde avait été là dans l'histoire de l'humanité, je pense pas que quelqu'un aurait pensé au courrier. Là, il me dit, vous avez pas compris. Il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier. Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Tu me demandes de revenir avec un truc, c'est toi qui l'as. Tu vas l'envoyer chez moi pendant que je suis chez toi. Et tu trouves ça normal? Là, il me dit, ah, vous avez pas compris du tout. Dis, mais c'est ta grand-mère qui a pas compris.